Paraphrase ou victime d'insomnie durant la période Ramadan, je me sens trop faible. Dernièrement, on a pu voir Sarah Fraisseau en pleurs dans une vidéo sur Snapchat. Elle explique que cela est dû à une dispute avec son mari Mehdi. Rappelons que Sarah Fraisseau est à son 4e mariage et qu'elle a déjà été critiquée maintes fois par les internautes pour cela. Le jeune influenceuse a déclaré que Mehdi ne lui adressait plus la parole suite à une querelle avec des amis. Ce silence du jeune homme agaçait vraiment la candidate de télé-réalité. Touchée par son mutisme, elle s'est effondrée. Sarah Fraisseau a affirmé être une personne très sensible et émotive. Depuis plusieurs mois, cette dernière exprimait son envie de tomber enceinte et de fonder une famille. Malheureusement, cela n'arrive pas pour le moment. Sarah a même fait une fausse couche l'année dernière. Dans sa dernière vidéo, elle parlait des raisons qui selon elle font qu'elle ne parvient pas à tomber enceinte. D'autre part, les internautes ont remarqué que cette dernière ne portait plus son alliance. Certains se disent déjà que l'influenceuse aurait divorcé de Mehdi. Dans la vidéo publiée sur sa story Snapchat, la célèbre star de télé-réalité française, Sarah Fraisseau, partage avec sa communauté la façon dont se passe le jeûne de son côté pendant le mois sacré du Ramadan. Sarah explique l'impact que le Ramadan a eu sur elle. En particulier, ses habitudes alimentaires ont dû être changées. Et cela a bien évidemment eu des répercussions sur elle. Elle a essayé de s'adapter tout de même. Elle explique être hyper fatiguée et ne pas pouvoir dormir assez. En plus de parler de son expérience personnelle et de ses habitudes alimentaires durant le Ramadan. Sarah a également déclaré que sa faiblesse physique l'empêcherait d'avoir un bébé. La jeune femme a reçu beaucoup de soutien de la part des fans. On peut néanmoins trouver son explication un peu étrange dans la mesure où le Ramadan a débuté il y a à peine 7 jours. La jeune femme a expliqué sa peine à l'égard du comportement de son mari. Comme énoncé précédemment, la fatigue et le stress ne lui permettent pas de bien dormir. Elle a même fait une insomnie complète la nuit dernière. Dans sa story Snapchat, elle déclarait se sentir faible, avoir des vertiges et envie de vomir. Ne serait-ce pas le signe d'une future grossesse? Depuis le 28 mars, les internautes s'interrogent. Ces derniers ont remarqué que la jolie brune ne porte plus son alliance. Sarah Fraisseau a tenu à clarifier les choses pour mettre fin aux rumeurs de séparation. Elle explique en vidéo qu'elle a enlevé son alliance parce qu'elle a maigri. Vu qu'elle a perdu du poids, elle craint que la bague tombe et ne se perde. Sarah préfère jouer la carte de la prudence en retirant tout simplement son alliance. On espère que les deux amoureux pourront vite régler leur dispute.